Et je crois qu'on est vraiment dans la place la plus courue de Paris, de France et du monde. Ah là, ce soir, tout le monde devrait être là. On est arrivé le premier matin, on a fait waouh, c'est plein à 10h du mat. D'habitude, c'est pas comme ça. C'est un public qui répond, qui est là, qui sait accompagner les temps forts, c'est vraiment formidable. On se répartit un petit peu les rôles, c'est-à-dire que Benoît s'occupe essentiellement des épreuves combinées, il s'occupe aussi des concours, et moi je suis plus spécifiquement sur les courses. On s'apporte des infos complémentaires, on aime beaucoup travailler ensemble, on a la routine. Oui, un peu, ouais, c'est ça. Le but, c'est d'apporter un regard différent de celui du journaliste, du fait de l'expérience, du vécu, des relations qu'on a toujours avec certains entraîneurs et certains athlètes. Quelqu'un d'assez vivant, moi, hein. Je suis méditerranéenne, donc je parle avec les mains, et ça s'entend même quand je parle, même quand on ne me voit pas, on sent qu'il y a... Une méditerranéenne de Montpellier. Voilà. On se regarde, on se fait un sourire ou un cadeau et c'est parti. Ouais, hein. Voilà, puis c'est parti. On est aux premières loges. Mais il ne faut pas qu'on soit spectateur, on est aussi acteur, il faut qu'on fasse vivre ça. Et l'avantage, hein, Benoît, c'est que ça va se passer juste en dessous de nous. Regardez là, on est en position plateau. Et dès qu'on a terminé notre plateau de présentation, hop, on se retourne. Et là, on a accès donc à nos écrans de contrôle. Et on commente avec ça. Mais ce qui est important ce soir, c'est vrai pour Alex encore plus, c'est que c'est la soirée du 100 mètres, parce que c'est le moment particulier de savoir qui est le garçon le plus rapide du monde. On pourra dire on y était, voilà, on a vécu une finale. On n'a pas été déçus, hein, Benoît. Ah non, et ça restera jamais dans nos têtes.